Monter plus de 1500 marches au pas de course, c'est le défi relevé par les 230 coureurs qui ont pris le départ de l'Escatrail de Tulle hier soir. Une épreuve qui permet aussi aux participants de découvrir la cité corrézienne de nuit. Le tout dans la bonne humeur. Reportage Ali Martiniki et Mathieu Baudouin. Tulle est en fait pour la première édition de l'Escatrail. Voilà, plus de 200 coureurs s'élancent dans les rues de la ville. C'est notre tout premier, on vient de Clermont exprès en plus. D'autres plus aguerris comme Gérard, 68 ans, sont sûrs de leur force. On est de grands spécialistes d'escalier, y compris le montage du podium. L'important c'est de ne pas louper la marche. Quoi. Nous on a souvent loupé la marche du podium, mais les autres on ne va pas les louper. Et de la force, il en faut pour gravir les 1500 marches que comptent les deux parcours de 9 et 15 km. Allez, allez, on lâche rien. C'est que le début. Allez, allez. En guise de solidarité, toute une famille s'est organisée à la dernière minute pour baliser le passage et encourager les participants au rythme des percussions. C'est nos amis qui nous ont invités et du coup on improvise une petite fête pour les coureurs. Lycée Edmond Perrier, la cathédrale, la rue Riche. Dans l'obscurité, équipés de lampes frontales, les coureurs découvrent Tulle, by night. Allez, sur la gauche, à 150 mètres à la barrière, tu prends l'escalier à droite. Les vainqueurs mettront plus d'une heure pour franchir la ligne d'arrivée. Chez les femmes, c'est une tulliste qui remporte la course, avec la fierté d'être allée au bout de l'effort, sans jamais rien lâcher. J'ai repris il y a deux, trois mois, avec la section trail du TAC, du Tulle Athletic Club, ceux qui organisent. Ils m'ont remis sur les rails, comme on dit, et c'est super, voilà. Et ça marche bien, ouais, ouais, j'ai 46 balais, quoi. Donc c'est cool, ouais, ouais, c'est bien, c'est très bien. Une première, mais les organisateurs espèrent faire mieux. L'année prochaine, on double le nombre de participants, et j'espère que le bouche à oreille va bien marcher, que tous ceux qui ont couru vont nous faire la pub, et qu'ils seront encore plus nombreux l'année prochaine. Certains ont déjà pris rendez-vous pour la deuxième édition de l'Escatrail de Tulle.